want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. On est de retour, bien évidemment, sur Gaming SC2, dans la joie et la bonne humeur, avec cette épée transparente, ouais, dont je ne me sers absolument pas pour victimiser mes collègues. Mec, t'es relou en plus, vas-y. Ouais, j'ai rien fait. Fais-le. Vas-y, appelle-moi Veratul, ouais. Il faisait ça, il fait appelle-moi Veratul, et puis il mettait des coups là, putain. Je sais pas si vous aviez le son, mais. Un petit peu peut-être. On voit pas bien du coup à l'écran. J'ai l'impression que la lame est noire, mais en fait, non, elle est vert fluorescente. Comme vous voyez ce joli petit liseré à l'intérieur. Petit goodies qu'on a eu pendant la guerre des nations. Putain, t'es vraiment un animal, quoi, tu me saoules. Arrête. Ah, la victime! Putain, j'en ai marre de me faire taper là. C'est bon, quoi. Je suis pas une pute! Je suis un templier noir, ok? Mais t'es rien! Je suis un templier noir, mec. Templier. Templier pour la vie. Wesh! Mais sinon, il se passe quoi dans les Underdogs? Là, on va attaquer Daishi DNS. On a eu le droit à un Cryptsail Denver légendaire. Honnêtement, je pense qu'on s'en souviendra tout 2018. En tout cas, ceux qui ont vu cette game. Je pense que vous aviez. Ah, mais regarde ça, comme t'étais relou, quoi. Et puis moi, je me faisais full victime là, alors que j'essayais de travailler. Genre. On voit le retour là, en fait, de ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est important, les mecs, de rester là pendant les pauses. Oh, regarde! Ah, la full victime! Mec, moi, j'étais. Oh. Mais non, j'étais mort de rire en fait, ça me faisait mais des elle était un mytho, t'es en train de pleurer. C'est débile. Voilà, coca en PLS, voilà. C'est ça. Voilà, les stagiaires chez OG, mon gars, c'est quoi, exactement ça. On voit me débattre et je me refais victime juste après, genre, mais laisse-moi, putain. Tu t'es fait souiller. C'était drôle. Il s'est fait souiller. La race protose. Jamais, il y a 2-3 mecs en direct qui voient pas quoi. Il y a un mec qui fait c'est quoi la musique, l'autre qui fait salut, c'est quoi le futur joueur au jeu et tout. Bref. Allez les gars, c'est parti. C'est pas grave. La game est lancée. Let's go. Et on va retrouver l'un des joueurs les plus prometteurs en France. Team Cascade. Junius. Qui a perdu son siège mais qui veut le retrouver. Pourquoi? Ah, son siège de. Ah oui. Top 1. Et en bas. À droite, pour la team Arma, il s'agit de Daisha. Daisha-sama. Sumimasen, Daisha-sama. Daisha-sama. Qu'on a reçu bien évidemment dans le scan. Daisha, fighting. Ouais. Gambare. Daisha, fighting. Gambare, Daisha-san. Gambare. Daisha-san. Daisha-sama. Daisha-chan. Daisha-sama. Moi, c'est mon pote. Non, c'est un peu. Non, c'est Kun alors. C'est un peu ma pute, même, je dirais. Comment? C'est ma meuf, tu vois. Chan. Ah, c'est carrément c'est ta meuf, quoi. Ouais, je. D'accord, ok. Bon, on s'en rappellera. Tu lui fais des caresses, mec, mais. Oh, ok, donc du coup, on va s'arrêter là. Allo. Il y a de la merde dans le tuyau. Alors. Oh là, on embête. On est embêté là, on est embêté du côté de Daishi. Par cette probinette. Coup de tournevis. Coup de foreuse, exactement comme moi avec la truc. Comme Veratul, ouais. Vas-y, regarde, c'est comme Veratul et tout, coup de lame dans ta bouse. Putain, il était tellement chiant parce que vous aviez pas le vocal, mais ce qui était le plus tiltant, c'est ça, c'est. Il faisait Colby Veratul. Vas-y, appelle-moi, je m'appelle Veratul, ouais. Genre... Non, mais vas-y, c'est un Templier noir, ouais, fais pas le fou. Infâme, quoi, putain. Eh, vas-y, regarde, je suis invisible. En vrai, regarde, tu me vois plus. J'ai tellement. Mec, en vrai, il y a un moment, il y a un hit, il m'a mis dans une pulsion violente, tu vois. J'étais là et j'ai failli rentrer en Super Saiyan, genre, pourquoi t'as buté Krillin, quoi, tu vois. Pourquoi t'as buté Krillin, ouais. J'avoue. Genre, Freeza. Un peu en mode vénère, quoi. Allez, ici, l'adepte qui est en position ne fera rien du tout avec le Reaper. La map est longue, c'est normal. Comme ma lame. C'est pas terrible, ces vannes-là, faut. Ah, mais comme ma lame, tu vois. Comme la lame présente sur mon poignet actuellement. Ah ouais, je vois. Tu vois? Parce que toi, tout de suite, tu penses à des propos obscènes. Comme ma performance en 100 mètres. Partie en pause. Ah bah tu vois, et ils ont tellement eu honte de nous. Ils ont préféré mettre la partie en pause. Je règle. Donc ça, les gars, c'est Funka quand il a fini d'obser une game. C'est vrai. Et moi, c'est ça.
Et c'est un petit cas, tu vois, je suis là, je fais. C'est quoi qu'il fait, Kevin? Je sais pas ce qu'il, je sais plus ce qu'il fait. Il fait. Non, je crois qu'il fait rien, mec. Si, je crois qu'il fait un truc. Il a essayé de se créer une signature. Je sais pas. Genre un M. Peut-être. Ou un K. Bah non. Ah. Comme Kevin. Kevin. Kevin Kremser. Kevin Kremser, double K. De double K. KK. De 2K. 2K. Ok, alright, go go. Go 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 go. Radi. On est parti. 3, 2, 1. L'admin de qualité. Yogo, admin à la maison. Yogo a résumé la game. Un plat de pâte à la main, je le souhaite. Ouais. Je l'espère. Pourquoi t'espères? Bah parce pourquoi t'espères qu'il mange des pâtes? Mec, c'est cool les pâtes. Moi j'ai tellement envie de bouffer des carbos là. Ah c'est vrai. Je m'en suis fait ce midi. Ce midi, il y en avait qui mangeaient les carbos de l'italien du coin et à chaque fois ça me fait. Ah moi je me suis fait des pâtes. Des pâtes ouais, avec des petites coquillettes avec la bonne. Les coquillettes, j'aime pas ça. Moi. Ah j'aime bien moi les coquillettes. Surtout avec des. Tu mets, ça manque de masse en fait. Tu fais revenir les oignons à la casserole, là tu gardes bien le gras, tu mets la crème fraîche avec, rajoute du gruyère, il y a 18 000 calories dans la casserole, mais alors qu'est-ce que c'est du bon. Du gras dans les oignons? Non, ah dans oui, les avec lardons. Oui, tu, dans, ah, dans les lardons. Lardons, pardon. Ah, j'ai dit oignons, pardon. Lardons. C'est pour ça que j'étais en mode alors oui. Lardons. Ah oui, non, ça je suis d'accord, c'est ma technique ça aussi. Ça c'est 100%. Hein. Puis en vrai, t'en fais beaucoup et après tu le réchauffes à la casserole et ça là. Fait légèrement griller les trucs et tout, c'est incroyable. C'est trop bon. Trop bon, la bonne cuisine à la française, un full gras, vous connaissez le Bombay. Alors, il y a de la bande chicloque. Ah ouais, mais c'est dur en plus. Ah la pouite. Ça, ce sera prélevé. Pas de construction aujourd'hui. Il y a une petite mine ici qui a fait. Ouais, elle fait. Fais pas le fou, ma mène. Ah, mais j'ai non. La possibilité de te casser la gueule. Bah alors, pourquoi il fait sa bande chicloque? Il l'a annulé ou pas? Non, il l'a faite et il finit son cloque alors qu'il y a un phénix. Et deux adeptes, et deux oracles. Par contre, hop là, fin du game. Est-ce qu'il a il le finit son cloque? Non mais finis pas ton cloque. Bah je sais pas mec. Il a l'air assez pressé. Il a l'air sûr de lui. Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. La Banshee normalement qui a été vue, à moins qu'il ait pas été dessus, mais ça m'étonnerait franchement. Il va y avoir deux révélations disponibles sur la carte et un phénix. Vraiment je suis pas convaincu hein, mais. C'est un peu ambitieux. Hein, de la part de Mister Antoine. Ok, il va pouvoir s'en sortir normalement sans le moindre souci. Mais attention, il veille au grain. Ok, s'activer un petit peu tôt puisque normalement on doit avoir l'info. Pouf. Ouais, DNS, bouge. Do it, do something. Revelation. Et ce seront seulement 3 probes. Iront mordre. Oh, écoute, si la deuxième elle en fait autant, je trouve que c'était pas trop mal. On a vu pire. Ouais. Dans le sens où il avait déjà l'info. Oh. Oh, yep, et non. Oh, il s'est figé, t'as vu, il a fait. Oh, merde. Pouf, explosion. En gros, c'est vraiment le 1, 2, 3 soleil. Vu. Merde. Allez. Est-ce qu'on a une révélation? Oh, on l'a pas, hein. On n'a pas la révélation. Non, on n'a pas la révélation. Oh non, il n'y a pas cru. Ah, il y a vraiment pas assez d'énergie. Ah, mais il l'a récupéré dans la seconde en fait. C'était à 50 et on était à 48. Pardon. Il y avait plus trop d'énergie sur la Banshee. Our bad, on s'est un peu enflammé. C'est normal de s'enflammer quand on est chaud bouillant. C'est la suite logique. Oh, ici il y a deux mines un peu coquines qui peuvent faire péter. Non. What? Mais ça me choque vraiment quoi. Mec, tout ça tire pas, please quoi. Je sais pas, moi aussi. En tant que joueur Terran, je rage. Ceci est du sel, oui. Alors, soulève Civi du swag. Attention, Rextrême, mon pseudo s'écrit avec un Z, pas avec un S. Bon, eh bien bonjour, 24 mois, est-ce que tu veux bien regarder 24 mois? Ah bah non, mais on avait dit 22, c'est les bébés. Bah, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ah, 7 mois, qu'est-ce qu'il y a qui... Ah, 7 mois. Ouais, j'ai à quoi, GG les gars, merci à toi Ulysse. On va regarder, 7 mois, il y a peut-être des trucs. 7 Alors. Mois, on va avoir une période de gestation de quel animal là? J'ai 5 mois, j'ai 8 mois. Il va falloir trouver autre chose. 5 mois, 6. Ah, j'ai 6, 7 mois. Ouais. 7 mois, c'est l'ours noir, mec. Oh, badass. Pouh, t'es bien là. Ouais, t'es trapu là. T'es en mode yimbe. Et pour le 2 mois de tout à l'heure, il y a pas dessus, Oh, oh là là. C'est okay, bon. Il est pas dessus. On a réussi quand même à claquer la petite révélation bien sympathique. On a tout pris sauf les medivacs. Alors du coup on a une bonne idée de d'où est la population armée de Daishi. On essaie de... Daishi il a oublié ses marines. Ouais. Daisho, t'es en réplique mon bro. Ok. Il traverse la carte en sprint. Allez. Il est vite. Jean-Michel Balécoï. Il a beaucoup de mines hein. Il a vraiment beaucoup de mines.
Ah mais par contre elles sont full revelation. Revelated. Revelated. Allez attention ici il va y aller. Allez déterre poulet, faut y aller là, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Ah, va falloir rentrer là. Va falloir y aller. Enfin c'est si t'y vas, faut y aller. On a deux médivas. Donc il va falloir que tu y vas. L'ennemi s'en prend à vos sondes. What? D'accord. Ah oui, la banshee. Ah oui, la petite banshee comme ça. Oh, comme oh, ça il a tout soulevé, il a tout soulevé. Est-ce que c'est pas allé un petit peu trop vite là pour Daichi qui était sur autre chose? Le petit coup d'œil à la banshee aura été un petit peu fatal. Même s'il prend 5 probes, toute la population va intégralement normalement y passer. Est-ce que c'était pas ultra violent quand même ça alors? Là c'était un petit peu trop violent pour son propre bien malheureusement. Et ouais, le Medivac va péter complètement plein. Il est possible qu'on banne DNS pour cette violence là. Il est possible qu'il reçoive un appel de l'Union Européenne comme quoi cette violence ne peut être tolérée à l'intérieur de l'espace Schengen. Non mais mec, c'est un carnage. Là ça pue le GG. Alors attends, il y a quand même un petit drop ici. Ouais mais ça va se faire full géré par l'armée de Phoenix. Oh les mines ici qui ont bien pété. Attention c'est chaud, ouais, sur la pente, ouais, on prend 8 CV, ouais. On fait soulever la B2, c'est pas tant que ça pour l'instant. Ouais on peut aller gratter tout, ouais, ça. Il va y aller. Oh tu peux force field même. Ah non il a pas d'énergie sur ses sentries. Ok on fait attention aux charges, que ça se barre pas dans tous les sens. Il y a énormément des CV qui ont été sortis, on est déjà 13 ouais, qui sont allés rejoindre leurs ancêtres. Il trique un peu sur ses CV mais il n'y a pas assez en fait de bio. Il n'y a pas assez de bio. Ah, ça pue. Contrer les zélotes. Oh, ça a pété dans tous les sens, ouais, sur les mines ici. Ah, c'est chaud, les zélotes qui ont vraiment fait un super méga oméga carnage. 25 SCV vont trouver la mort dans ce génocide. Oh. Et puis c'est pas fini puisque les Phoenix arrivent en renfort. Et là, ça commence à être vraiment très très compliqué pour Daichi de faire quoi que ce soit. Oh, tout son sustain avec les medivacs qui va s'écrouler. Et à foutre le camp. Terminé le sustain. C'est dur. Ouais, non, là, cette game qui est compliquée, là. C'est dur. Aïe, aïe, aïe. 26 SCV tués. Les pertes mines, qui sont unanimes. Les mines, ça marche moins bien quand c'est révélé. Hein. Bah, quand ça saute, hein, ouais. Quand c'est dans les airs, ça on fait pas grand-chose. On va pas se mentir. Petite tout saute. Ouais, légèrement mal. Sautage. Allez. Dernier temps. Le 1-1 qui est complété chez Daichi. Il y a le 2 de défense avec le 1 d'attaque qui arrive aussi. De l'autre côté de la map, c'est, et il y a des trucs défense, beaucoup plus de défense. Il y a des trucs qui arrivent beaucoup plus dangereux. Ah non, c'est pas close hein, pour l'instant. Mmh. Alors il a réussi à recréer une belle pop des CV. Mais le problème c'est qu'il est à l'arrêt technologiquement quoi. Ouais, là, c'est le problème. Ah il a le 2 d'attaque quand même, il l'avait lancé un petit peu en amont. Ça t'imagines pas mec hein. Mais je pense que même ton attaque au sabre tout à l'heure c'était du gâteau à côté de ça psychologiquement à gérer. Ah bah là à mon avis pour faire un petit peu jeu égal il aurait fallu qu'on soit 6 ou 7 sur toi et qu'on te marave la gueule avec. Ouais voilà ça. Mais en termes d'humiliation. Que je sois tout nu et que vous me tapiez avec. Ça se pose à peu près là ouais. C'est à peu près l'idée. C'est immonde. Oh il va se prendre un clic. C'est immonde. Hop là on soulève les mines. C'est très bien fait de la part de NES. Sans le moindre problème ça rentre comme papa dans maman. Et ça devrait pas poser vraiment de difficultés aux joueurs Protoss pour s'emparer de cette première game. Allez NES qui contre toute autorité est en train de terminer son adversaire ici. Oh là 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 là. Hop là. Tu peux micro autant que tu veux. Tu ne tues pas l'école des zélotes avec des avec maraudeurs. Les maraudeurs c'est un peu plus chaud ouais. En plus une fois que la charge est revenue, tic tic tic, ça se barre en cahouette, on essaie de sniper les pylônes mais ils sont quand même bien positionnés de la part de DNS et là ça rentre en mode char d'assaut. Oh la petite connexion de mine qui aurait pu faire plaisir mais qui a pas fait tant de dégâts que ça et le colosse va mettre fin au débat et les phoenix vont mettre fin au voyage. Puf. Allez hop. C'est chaud, à bout d'un moment Antoine il va falloir quitter. Ouais, elle est pénible cette game de côté d'Eichi, elle s'est jouée vraiment sur un truc où il regarde ailleurs et il se fait un peu bâcher. Il s'est fait un peu bolosser effectivement. Et là du coup c'est la poilistan côté d'Eichi ici. Bon, là il faudrait faire tomber une multi, on pouvait côté Protoss. Yep, boom. Oh, il y va comme un bourrin quoi. Oh. Ah bah il a bien raison hein. C'est vraiment façon, pas la fight la plus fine qu'on ait vue de 2018 hein. Pas du tout même, pas du tout. Allez les Phoenix qui reviennent encore une fois on pour les mettre les choses au clair. Il a perdu combien de medivacs? Oh là là, beaucoup trop. Beaucoup trop malheureusement et cette petite ligne de SCV là qui s'était un peu perdue. GG. Bien wage. DNS solide sur ses appuis, bien dans ses bottes. Qui met déjà un 0. C'était violent. C'était violent, sale et pas très 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 légal. Voilà. Mais quand même bien défendu hein, de la part de Daichi hein, parce que même dans la plus profonde des merdes. Il arrive quand même à... Bah c'est Daichi la macro. Ma macro, mon F2 vont faire un vrai malheur. On l'a dit dans un rap. Et c'est vrai, Daichi.
Arrête. Il a réussi à reproduire des unités. Attends, j'ai flippé de quoi. Ouais, ouais, je sais. Il a réussi à reproduire des unités après avoir perdu ses 26 SCV, quoi. Ah, et une macro déchi, c'est un sac, hein, vraiment. C'est un sac à unités. Mmh. Il aime bien ça. On va voir si ça peut lui porter un petit peu plus au bout de la game. Arrête, j'ai dit. Pas touche. Sinon, tu sais ce qui va se passer. Il va se passer quoi ? Bah, je vais me relever et je vais te taper avec. Je vais m'applaisir à tout là. Et ouais, et je vais m'applaisir à tout là. Je vais me transformer en Templier noir. Et je vais passer invisible, mec. Je vais tourner autour de toi comme ça là. Et tu vas rien comprendre. Mec, t'as 28 ans quoi. Ouais ? T'es vraiment à mon col pour faire ça à 28 ans. En même temps, ça te fait rire donc ça n'a pas. Mais oui, mais moi je suis jeune encore. Moi je suis jeune. Ferme-la, t'as quel âge ? 23. Oh là là, dis donc, hein, un vrai bébé. Hein. Parce qu'à 23 ans, rigoler d'un mec qui te victimise avec une épée gonflable, c'est pas être un gamin. C'est plus légitime que 28. Mes couilles, ouais. Rien du tout. Rien du tout. Tu le sais. Et Cosby le sait aussi. Voilà. Ça l'a fait rire. Voilà. Donc c'est que c'est drôle. Y a pas d'âge pour trouver les choses drôles. Ça, quand vous voulez, on refait ça. Ah, tu vois, Cosby me donne sa bénédiction. On peut faire un sketch et tout. Ah, j'avoue. Comment ça s'appelle là ? Zeratul cosplay. Je suis entouré de gogol, putain. Mais ferme-la. Je vous déteste. Non, tu nous adores. C'est vrai. On peut faire un sketch, genre à une convention, Japan Expo, un truc comme ça. Ah, j'avoue. Base, il fait ça à tout le monde. Et je me déguise en quoi, moi ? Ah oui, tu le fais à tout le monde. Ah oui, c'est marrant. Ça, j'avoue, c'est marrant. Je me mets sous un drap, tu vois, en mode invisible, et après je surgis et. Et ça va te la gueule des gens. Jusqu'au jour où il y a un mec qui sera déguisé en cosplay de la montagne de Game of Thrones, il va me retourner une baffe de forain de 18 kilos dans les prémolaires. Ou tu te prends une MP et là on se rend compte que t'es tout nu sous ton drap. Et je vais crever quoi. Je vais crever. Mais bon. Trêve de bavardage, de galéjade. Cet homme en Protoss rouge en haut à droite de Blackpink mène en zéro. Team Cascade, TNS. Et il s'y fait un peu surprendre. Et joliment un clic derrière, il s'agit de Daisho. Pour la team Arma. Pogos Daisho. Daisho. Je fais chavirer les cœurs. Mon macro, mon F2 vont faire un vrai malheur. Ah là là, le rap, hein. On s'en souvient tous. Ah, celui-là était cool, hein, honnêtement. Le peuple réclame un second rap. Coquin. Surtout la partie de Tud. Yep. Avec un flow bien à lui. Effectivement. Il a remis tous les standards du rap à zéro. Rondement mené, comme on pourrait dire. Dans le milieu. Comment il rappait déjà ? Je sais plus. Je suis le gâteau flammeur, ma répute me précède. Le mouton noir du ladder. Je veux faire rage kill, vous obsède. Il rappait comme ça, c'était trop drôle. Un vrai king de la paraphrase. C'était Melissa et Funka qui avaient écrit ce texte. Yep. C'était Cali. T'étais chez OG à cette période, non ? Non, pas encore. Non. Je suis arrivé il y a. En juillet, ça fera 2 ans que je suis là. Eh ben, t'as remarqué que ça passe vite. Eh ben, tu vois, le détail défile comme ça sous nos yeux. On n'a pas le temps de le dire. On a à peine le temps de dire ouf. Ouf. Il est déjà passé. Il est déjà passé comme ça. Hop, déjà, on est vieux. Mm. Voilà. Et la première fois que je suis venu ici, c'était pour un Underdogs d'ailleurs. C'est ça qui. J'étais là ? Oui. Au cast ? Je crois, ouais. Mais c'était, non. Je crois que c'était même le jour où t'as fini torse-poil. Mais non. Je crois que si. Sérieux ? Je crois que si. Où il y a eu un espèce de sub-train horrible. Avec Yogo, là ? Ouais, vous étiez monté à plus de 2000 subs d'un seul coup. Non, j'étais avec Yogo et Imre. Ouais, t'étais avec Yogo et Imre. Il y a Yata qui a me tripoté le sein. Ouais, et je crois que c'était ce jour-là, mec. D'accord. Ou alors, si c'est pas la première, c'est la deuxième fois où je suis venu. D'accord. Là, tu t'es dit what the fuck ? Ouais, je me suis dit, je fais. On est pas mal là. Eh bien, un beau métier. Elle a l'air un peu, ça a l'air d'être un peu rempli de jeunes hommes de mauvaise famille, mais je pense qu'il y a possibilité qu'il de se marier. Il va sauver sa propre, puisqu'il est réactif. Ouais, il est réactif. Allez, oh, 40 mois. 40 mois de gestation. C'est pas mal. Merci à toi, Veya. Et je crois les plus vieux, c'est 42, hein. 42 ou 43. 44, moi j'ai vu déjà. 44, t'as vu? Ouais. Ah, ça commence à être solide, 44. Hein. Mais mec, on dit ça à chaque fois, genre dès qu'il y a un mec numéro 1, en fait, ça commence à être solide. Ouais. Bah, tant que t'es pas arrivé aux 4 mois, bah, en fait, aux 4 ans. Il y a des mecs qui ont pas raté un mois depuis l'offre du truc, en fait. C'est beau, putain. C'est quand même beau. Ouais. Comme cet adepte là, qui va tenter sa petite shade, qui à mon avis n'ira pas bien loin, vu qu'elle a vu
Elle a vu le comité d'accueil. Elle a vu le videur à l'entrée de la boîte. Elle a fait moi non, on va changer d'endroit, je crois. Ouais. Là, j'ai mis, mais il avait mis ses requins et son survêt de puma. Il savait pertinemment que l'entrée de la boîte lui serait refusée. J'ai envie de dire, il a pas dit bonjour, quoi. Ah, je pense qu'il faut faut commencer à ramener un petit peu plus de potes avec toi pour pouvoir rentrer en force. Ouais. Oh, il nous fait une hero. Ça, c'est pas mal. DNS inspiré par son plus grand... En fait, c'est le plus grand fan d'Hero en France, je pense, hein, DNS. Mm. Et là, il va nous warper tout ça. Et Hero, il nous avait proposé ça contre Innovation, notamment sur cette carte en... je sais plus quel tournoi. C'était une Olimo ou... Un truc dans ce genre-là. Peut-être en GS, je sais plus. En tout cas, il s'était fait salement bourrer la tronche. Et devinez pourquoi ? Il n'y a pas d'unit ! Ah ! Et non ! C'est la poêle instant. Il y a un peu que dalle. Effectivement, il y a quelques marines là qui se regardent un peu dans le blanc des yeux et une petite mine en haut de la choke. Mais est-ce que justement la choke ne va pas venir ? Oh, il y a tellement. Oula. Il y a trop de protoss là, non ? Quit. Attention quand même, l'adepte. Oh, les 4 SCV. Il s'applique. Ah, l'adepte qui s'est fait prendre quand même, et 5 SCV sont tombés. Ouais, 5 SCV, un marine pour un adepte, tu peux difficilement faire plus rentable. Mm. Regardez, le plus 15 proc pour le joueur Protoss ici qui, de son côté. Faut réagir vite. Oh, joli. Ça c'est dommage par contre. C'est joli pour Daichi, mais dommage pour DNS. Ah, par contre, là, les 3 stalkers qui vont faire un petit peu le ménage. On essaye de warper quand même. Il y en a qu'une seule qui va s'enterrer. On la trigger. Oh, on essaye quand même de jouer un petit peu avec le feu, mais là le Medivac ne peut clairement pas revenir pour la sauver. Ouais. Allez, on joue un petit peu avec la nourriture. D'accord. Ça tape son exu. Ouais, parce que. Et pourquoi pas. Un peu de panique. Attends, il y a une propre guerre là. Ah, tiens, prends ça, enfoiré. Si elle pète le Nexus. Je rigole. Non, mais mec. Non, ça se peut pas. Quand même, pense. En vrai. Ok, non, j'allais dire, elle est cachée quand même. Quand même pas aussi couillon à ce point-là, j'imagine. T'as une alerte quand. Non, quand tu t'auto-attaques, ouais, y a pas d'alerte. Hein. Oh, de nouveau domine. Yes, c'est parti. Et ça va très mal se passer, à mon avis, parce qu'il y a déjà 3 stalkers. Hop là, on repart aussi vite qu'on est venu. Sans pour autant poser le tribut. La pêche. C'est la frime, je fais des rimes. Allez, attention. Castalker ici bien micro-géré dans le creep, ça peut faire du dégât. Attention quand même, il y a un maraudeur dans le tas, ça tape relativement fort, vous le savez, sur les stalkers, c'est pour ça qu'on va s'en occuper en priorité. Oh, très, et on repartira. Très, très, très belle gestion de Neus, le grand prince ici, oui, qui nous offre un jeu à base de micro-gestion, quoi, et c'était vraiment bien fait. Wacom, elle était pas mal la micro. T'as vu en bas comme c'est beau. C'est une belle ville de... Bon, les gens qui aiment pas Paris, ça fait très, aller vivre là-dedans. Ça fait très Coruscant. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu Coruscant. Et si vous ne savez pas de quel film on parle, eh bien vous pouvez aller vous pendre. D'ailleurs, tu penses quoi du trailer du prochain Star Wars ? Le biopic de Solo ? Ouais. J'ai peur. Ouais, moi aussi j'ai peur. Peur. Ça a l'air, en fait, ça a l'air full stylé, mais ça peut faire partie des films qui ont tout mis dans le trailer. Et, j'ai eu un frisson, mec. En tout le reste. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que le réalisateur s'est barré au milieu du film, ouais, parce qu'il trouvait que l'acteur principal jouait comme un manche. Bah, c'est un mec qu'on connaît pas d'ailleurs, hein. Donc, il vient nulle part, l'acteur principal, hein. Non, donc ça me fait un peu peur. C'est, j'espère bon que ce sera cool. Un réal se barre au milieu, hein. Ouais. C'est jamais bon, nous dit Cosbite. Ouais. Oh, ça par contre c'est jamais bon non plus, hein. Quand ton Medivac qui transportait des mines n'a fait rien d'autre que mourir. Ah non, mec, moi j'ai un peu peur pour le prochain Star Wars là. J'espère que ce sera cool parce que Rogue One, il était légendaire. Il était tellement stylé. C'est un des meilleurs, hein. Clairement. Ah, il était complètement swag. Avec une absence complète de sabre laser, c'est pour dire à quel point il était cool. Mm. Donc, ouais, Solo, on va voir. Il y a quand même le film Solo de Jar Jar. Je pense qu'il ne verra jamais le jour. La vie d'un Jar Jar. C'est celui de Jabba. Ah, j'avoue. J'avoue que Jabba the Hutt, en vrai, il a l'air connu de manière intergalactique et pourtant on n'en sait pas trop sur lui. Bah, Jabba c'est Jabba, quoi. C'est Jabba le forestier. Le fameux. Ouais. Je sais pas pourquoi en quoi c'est un forestier, mais le doublage français nous l'avait présenté tel quel. Écoute, ce qui compte, c'est que les real men drill deep. Drill deep. Ça, attends, c'est quelque chose, a une connotation extrêmement sexuelle. Ouais, c'est archi. Mais pourquoi pas. C'est archi sexuel. On peut le dire. On aime le sexe. Mais Blizzard a laissé passer. Forêt comme un homme. Allez, vas-y.
Forme-moi ça, vas-y. Très beau. Ouais, c'était très beau, mais au bout d'un moment, il en faut aussi. Alors, il n'y a pas le blink dans ce game. Ah, là, par contre, ça va très mal se passer pour ce Libérator qui va... Qui va continuer dans la tradition des objets volants qui s'approchent de la B1 et qui crèvent avant d'avoir fait leur œuvre. Ah, il a perdu les deux en plus, de la même manière. Daichi là, il est en train de se faire outplay sur la défense, regardez. Pouf. DNS il dit non à tout, et un Protoss qui dit non à tout, c'est un Protoss qui accumule les unités, la technologie et les ressources et qui t'acclique en fait simplement. On a posé une petite tour de détection aussi chez Daisho, assez avancé. Bogus Daisho. Pour se prémunir des agressions extérieures. Ouais, que ça, disent les gens. Coruscante, lol. Non, j'ai dit Coruscante. Ouais, t'as dit Coruscante. Calmons-nous. Il y a eu un petit couac, mais c'était bien Coruscante. Coruscante, c'est pas dans Terminator, Kappa. Mm-hmm. C'est drôle ça. Non, un Coruscante, c'est un centre d'élevage de corrupteurs. Effectivement. On les fait tourner en rond comme ça. Mm. Et en fait, ils tournent tellement que ça crée de l'énergie. Et à la fin, bah, ça fait des petites batteries d'électricité. Ça, ouais, c'est cool. Comme un moulin à tentacules. Le Coruscante. C'est beau. Bon alors... ça aussi c'est beau ça. Maintenant que je t'ai sauvé en racontant des conneries. Il y en a un qui va avoir du mal à se sauver justement. Il y en a un qui va prendre un tarif là, non? Ah, avec deux disrupteurs et deux colosses et full stalker, ça va commencer à très mal se passer. Oh, celle-là elle était dure déjà. C'était un petit 5 kills. Elle était partie quand même pour faire beaucoup plus. Elle en a fait déjà pas mal, on se repositionne. Est-ce qu'il y a le blink? Ouais, oui, il y a le blink. Hein. Sure, there is. Sure. Oh, il y va. Ok, on y va en frontal, on a profité que c'était pas du tout siège du côté des Libérateurs. Et ça va faire très mal les premières boules de disruption qui ont bien amoché la population Terran, même si on essaye de poursuivre. Les colosses qui se font arracher le string. Ah, c'est chaud. Ah, ça passe pas à grand chose. Hein. Ah, ça passe pas à grand chose. Hein. Faut aller choper ce médiac plein. Oh, le Guillaume Tell. 6 kills. Allez, boum. C'est beau. Et là, c'est tu, t'en vas, tu warp ici dans la B1. Oh, il y a de la toile. C'est dommage hein, parce que Daichi il était pas passé loin. Hein. Il manquait vraiment pas grand chose pour que ça soit repoussé. Mais ouais, ce ne fut pas le cas. Et un nouveau gros warp ultra massif de Zelot qui vont arriver avec la charge. Et le 2 d'attaque pour venir trancher tout ce petit monde. Aïe, il est dur cette game pour Daichi, il a vraiment pas eu le droit de jouer. Oh là là, c'est parti. Oh là là, c'est ça parti. Sent très très mauvais pour Daichi qui se fait arroser par une tempête de lames. A l'instar de ce que j'ai collé à Coca, il fait la même, mais avec deux lames cette fois. Ouais, et des vraies, hein, celles qui coupent. Ah, celles qui coupent, celles qui font bobo la tête. Académie Fantôme qui va être plus là pour le... Oh, la disruption. Oh, allez. Yo. Oh, il s'est fait sniper ce let. Allez. On n'envoie même pas les disruptions dans l'armée, on envoie directement dans les civils qui n'ont rien demandé à personne. Regarde la micro. Ouais, c'est sûr. Allez, dessus. Hop là. Et il est chaud, DNS. Hein. Il est chaud. La B3 qui va tomber. Madaichi qui nous avait dit dans le scan, hein, ça va être tendu du string. Ouais, ça va être dur hein, face à DNS qui est un très 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 bon joueur. Certes, Drogo a fait des meilleurs résultats, mais ça n'en reste pas moins un adversaire extrêmement redoutable. Et là, ça va rentrer en mode Terminator. Oh, il rentre dedans comme un gros sac. Ah bah, il y en a plus rien. Ah, les blinking dans la bio. Là, on en a plus rien à foutre, clairement. Ça va très mal se passer. Pour Daichi GG. Aïe. Ça pique. Ah, il est dur avec son adversaire, DNS, là. Ça pique. Ça fait très, très là, mal. Là, tu vois, il l'attrape, tu vois. Il lui masse un peu les oreilles. Et boum. Il met un coup gros de tête. Gros coup de tête. Oh, il lui enfonce le nez, quoi. Genre, dans la bouche. Dans la cavité crânienne. Là, je pense qu'il y a eu du pétage de nez en série. C'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'on sent que Daichi, il est là, il est présent, mais il y a des petites erreurs qui s'accumulent à droite à gauche, genre des pertes de Medivac, pertes de Libérator qui font que, bah, finalement, DNS, il est pas vraiment inquiété. Et du coup, il avance. Petit rouleau compresseur Protoss. Et une fois que t'as le pied coincé dessous, bah, c'est fini. C'est trop tard. C'est ça. Ça fait 2-0. Est-ce qu'on va avoir encore un 3-0 Coca. J'en sais rien. Encore? Bah, je pense que, en toute logique, ouais. J'espère pas pour Daichi, mais. Je le souhaite pas. Ce serait un peu moche. Ça serait logique, parce que j'ai l'impression que DNS est meilleur et que Daichi maîtrise moins le TVP. De toute façon, il l'a dit, il aime pas trop le match-up qui plus est. C'est vrai. Et il a dit jouer à l'affect.
C'est-à-dire que quand il aime bien, il joue bien. Quand il aime pas, il joue pour bien. Il joue moins bien. Mais moi, je joue moins bien. Mais bon. Le bon Rachida Benbouzaka. Benbouzaka, pardon. Qui vient coller le 2-0 assez sec à un Daichi un peu désabusé. Franchement, ils doivent se dire, qu'est-ce que c'est que ça, les étrangers, mec. Quand t'as Rachida Benbouzaka qui rentre dans le lobby, ils font... What? Tony Roop. Tony Roop. Merci à toi. Premier sub de ta vie, Tony Roop. Merci bien à toi, wesh. Mec. Avec un vrai sub, hein, pas un Twitch Prime, un vrai sub. Merci, mec. Un vrai sub. GG. GG à toi. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, le match Chirino, il en est où? Je sais pas, mon bro. Vas-y, on va se regarder ça. Ah, 235$. Vous avez épuisé 135 tickets. Eh bien, je vais vous donner une petite nouvelle assez sympathique. Il en reste 270 de plus. Bon, 265 si on veut être très très précis. Il en reste suffisamment pour vous faire zézer. N'hésitez pas justement entre les deux games à aller faire péter tout ce petit monde. Ils sont là, ils sont gratuits, ils sont pour vous et ils sont pour les joueurs surtout. Nous, on récupère que de chi, que dalle, nada, Podzob sur ça. Donc, Podzob. T'as de ces expressions, mec, t'es vraiment... C'est parce que je suis vieux. Ouais, t'es vieux, ouais. C'est parce que je suis vieux, tu sais, moi j'ai connu Club Dorothée. Hein. En fait, t'as connu les années 90. Ouais, c'était des putains de bonnes années. Être un enfant dans les années 90, c'était tellement jouissif. Moi, j'avoue qu'à 5 ans, c'était déjà fini, donc bon. Moi, j'ai connu Pokémon sur Game Boy, mon gars. J'étais encore un enfant. Oui, bah moi aussi, quand même. Non, mais moi, j'étais vraiment un enfant. Oui, bah moi j'étais quoi? J'étais un... Ah, quand Pokémon, le premier, il est sorti, mec... Ah oui. Bah, t'avais 3 ans, quoi. Oui, bah toi, t'en avais 2. Même pas. Non, t'en avais quoi? Ah bah non, t'en avais... 7. Direct, tu reparles avec Nostalgie. 7 ans. Ouais, putain, c'était beau, mec. Hein. C'était la belle époque. Hein. Oh, DNS, il va faire un truc crade. Il va faire un truc crade. Ah non, c'est une gate. Ah non. Juste ça se coûte tôt. Eh bah bravo, voilà, tu nous as hypé pour de la merde alors que j'étais en train de remémorer mon enfance. Que t'es déjà pas très intéressante en l'état actuel des choses, mais en plus en maintenant que c'est plus d'actualité, quoi. Ça sent pas le seum là? Ah si, un petit peu quand même. Seum de quoi? J'ai une belle vie moi aussi. Allez, attention aussi. Allez, zou. Allez, zzz, zzz, zzz. Bon, j'avoue, j'ai travaillé dans les mines en vrai, mais... Dans les mines de quoi? Mines de crayon. Pas vu venir celle-là. Dans les mines de rien. Ouais, dans les mines de rien. Je cherche un autre jeu de mots, mais ça va être chaud là. Oh, Rax CC et sans gaz. Allez. À l'ancienne, Wings of Liberty style, ma man. Il en est bien. Hein. Par contre, là, il a un peu déconné sur son envoi de deuxième SCV du coup. Il a du mal à finir sa Rax de mort. Oh, non, c'est bon. La Rax de mort qui est finalement complétée. Est-ce que tu mets pas un supply pour le bloquer là? Allez, petit coup de foreuse dans la bouche. Hop là, ça c'est bien fait ça aussi hein. Ouais, fripouille un peu cette probe. Ah, elle est belliqueuse. C'est ça en fait, c'est un petit peu comme Azo réveil, tu vois. Et là, faut pas l'emmerder sinon. Patate. Ouais, non, sinon c'est je te lance mon mug. Comme ça réveil. Ouais, généralement. Alors ça dépend à quelle heure je me lève. Si je me lève, le réveil qui pique, il est si je me lève de moi-même, de mon propre chef, je suis très très aimable, très, doux, très doux. Aimable et très doux. Par contre, si c'est le réveil qui me réveille et que j'ai complètement la tête dans le huc. Voilà, ça se règle généralement à grands coups de mug dans la tronche. Forme de pugilat, quoi. Ouais. Ou alors de réponse cinglante. Du genre, ta gueule. Efficace. Excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais pas la fermer? Merci. Parle-moi de Saz. C'est un CC. Oui. Qui est relativement proche des bases. C'est une ninja dans les bases de ton adversaire. C'est beau, ça. C'est next level, ça. Ça, c'est pas mal. Mec, en vrai, c'est trop cool parce que j'aime ce beaucoup. Qu'il fait, c'est littéralement un BO de Wings of Liberty où on faisait ça contre Zerg. Et ensuite tu poses double rax, double gaz. Enfin double gaz, double rax. Ah non, what the fuck. Mm-hmm. C'était pas forcément comme ça que je l'imaginais. Ah bah il y a un petit peu d'adaptation aussi. Ouais, peut-être qu'après tu fais plutôt une facture rapide. Attention quand même à pas perdre le marine blessé. En gros on faisait ça et ensuite on a commencé à se prendre des violettes couches. Et là on a parlé chiant. Ah parfait. Mais trop cool de voir ça. Daichi il a plein de créativité. Ça c'est stylé, on aime bien les jeux originals. Ici dans la OG caverne. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas dit ça. Ouais. PNT Cavern. PNT Cavern, man. Les choses changent, tu sais. Ouais, et bientôt on n'y sera plus dans cette PNT Cavern. On ira dans une forme de grotte préhistorique bien énervée, quoi. PNT Palace, même. Non, PNT Palace. Mon gars.
bienvenue dans PNT Palace, man. Hey, Shibber, hey. Go party. Allez, un seul SCV, ça me paraît un peu juste. Il va se faire défoncer. Eh oui, parce qu'il va se faire un petit peu bousculer là. On est obligé d'appeler les potes. Par contre, la mule, je sais pas si c'est efficient. Ouais, celle-là, là, regarde. C'est vraiment valuable. Celle-là, elle va gâcher l'univers. Ah, celle-là, elle est. Ah là là. Ah là 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 là. Elle va vomir son alcool. On pourrait le laisser par terre le minerai quand même, parce que là le truc il est emporté dans l'hyperespace, oh, on sait pas ce trop. Ce BO il est tellement à l'ancienne, c'est trop cool. C'est stylé, c'est stylé. Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va survivre? Ah, ça me paraît compromis. Non. Rentre chez ta mère. C'est un doux cri ça. Ah, c'est... Pardon. T'es un ouf toi. Calme-toi. Me tape pas avec ta merde là. Regardez là, tu fous le mule dessus comme un gros porc. C'est ça. Brrrr. Par contre, il y a un truc qui va arriver en mode full aussi. Ce bunker qui est en train de cramer, mais heureusement, ils sont équipés de petits extincteurs de poche qui vont permettre de résister un tant soit peu, mais ils vont mourir en masse. Bonne micro de DNS. Voilà. Ça qu'on veut. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, qu'est-ce? Arrête de me regarder comme ça, je te jure, je vais te taper. C'est raciste ça. Raciste de quoi? C'est raciste de parler espagnol? Non, mais je crois que je me mets en mode. Bah justement, c'est ta remarque qui est raciste du coup. Tout qui est 18 mindset. Allez, faut pas perdre le bunker, faut pas perdre le bunker. C'est bon, ça devrait pouvoir se négocier pour l'instant. Pour le plaisir, Jericho. Pour le plaisir. Donc du coup, tu es une baleine. 11 mois. C'était 11 mois, ouais. Mais non. Une baleine bleue. Ah ouais. Ouais, magnifique. Espèce animale. Cétacé, plus gros. Mammifère terrestre, enfin plus gros mammifère de la création. Du coup, c'est deux fois moins qu'un éléphant. Ouais, c'est bizarre. Hein. Bon, ça doit être tout petit à la naissance, et après, ça doit bien manger. Quoi. Ah, ça commence à. Tu sais qu'il y a un poisson qui est réapparu sur les côtes françaises en Atlantique, et c'est un poisson de 120 kg en moyenne, qui bouffe 70 kg de méduses par jour. Putain, c'est violent ça. T'imagines, l'engin, il bouffe plus que la moitié de son propre poids. D'accord. Donc, un système digestif bien accroché, quoi, j'imagine. Ah, bah, ça, c'est assez rapide, hein. On est un peu sur un canard style. Hein. Ouh, ça, par contre, la connexion de la mine qui est assez juicy. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir transformer l'essai? Attendez, ils sont bien amochés, ces stalkers. Hein. Ah, il a pas le steam, il peut pas trop aller les chercher. Là, il va recall. Ouais. Allez, oh, vas-y, cours. On en prendra un seul. C'était bien fait, quand même. Hein. Ouais, la belle fripouillerie. Du proto-squin, c'est bon. C'est bon. Ouais. Oh. C'est doux. Merci Cranage pour le resub. Merci toi mon petit bro. Du deuxième mois, donc tu es. Alors en deux mois, il y a beaucoup d'animaux. Ouais, plein de petits mammifères. Il y a le cerf, le chat, le chien et plein d'autres trucs. Qui sont gestationnés. Qui sont gestationnés en seulement deux mois. Il y a pas mal de trucs. Daichi est en train de préparer un gros push. En vrai, DNS, je suis pas sûr qu'ils comprennent la partie, hein, parce qu'il se dit il n'y a pas B3 et tout. Mais pourtant, il y a B3. Eh, hey, B3 il y a. B3 il y a, il comprend pas vraiment où toute la thune, d'où toute la thune est sortie. Bah il se dit je me prends all-in, tu vois, c'est pour ça aussi ouais. Le blink pour monter c'était pour essayer de voir des racks, tu vois. Mais il en a vu 4. Ouais, toi oui tu comprends, mais en même temps tu comprends pas parce que là c'est pas vraiment all-in. C'est all-in sans être all-in. Allez c'est bon, il est dessus, DNS, il va pas se faire jambonner, un petit blink out pour calmer les ardeurs de ces marines qui ont steamé. Boum. Non là je suis pas sûr que t'aies envie de prendre cette fight. TNS, même si la micro est très très bonne, un petit scan quand même pour voir tout le reste de la populace. Il y a beaucoup. Hein. On n'a pas envie de s'empaler là-dedans. Oh, attention les medivacs. Allez, un petit boost, ce serait pas mal quand même. Voilà, on va contrer avec un chou, le shot de tank qui a failli partir. Mais le medivac qui est tombé. Très bien fait de la part du Protoss Do Not Surrender. Yeah. Bon, du coup, on est en retard aux upgrades. Un poco. Mais ça devrait pouvoir se régler là sous peu. Allez hop là, le 1 qui est complété. On est à égal avec l'adversaire. Mais le 2-2 a été lancé bien plus tôt chez DNS. La petite archive des Templiers aussi qui arrive dans le hood. Allez, cette game elle est dure à analyser parce que DNS lui il doit pas comprendre. Regardez, il vient d'envoyer un phoenix. Il fait mais il joue la mais B3. Elle est où ta thune, bâtard? Je suis si bien que ça dans la game. Là il voit la pose de B3. Oh, il va prendre celle-là. Si encore il avait pris celle-là, il l'aurait compris, mais il l'a même pas vu. Et non! Il prend ce Nexus là. Donc il risque pas de comprendre de sitôt. Est-ce que la petite probe là elle va pas faire un petit crochet là? Non, non, non. Non, non, même pas. Elle hein. A pas de raison. Non, elle a pas de raison.
Après, tu peux même prendre ce Nexus là avant celui-ci. Ah bah bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Ça serait marrant s'il faisait ça quand même. Est-ce qu'il va arriver jusqu'à cette étape-là ? Si la game dure 30 minutes et que cette base n'est jamais vue, ça serait trop drôle. Ce serait beau. Et que DNS, ils viennent, ils posent un Nexus et il n'y a plus de minerai, tu sais. Deviens fou. What ? What ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux gaz, plus de minerai. Il y a eu un problème dans l'hosting de la map. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Il y a beaucoup de zélotes là. Hein. Il y a vraiment beaucoup de zélos. Des zélos 2-2. Hop là. Avec la charge un peu vénère quoi. Ah là, la charge elle commence à piquer là. Surtout qu'il n'y a pas de mine, il y a que des. Il y a trois pauvres tanks. Il y a quelques libérateurs qui se battent un peu en duel mais. Je serais un peu en panique si j'étais Daichi là. Daichi là ça commence à sentir un peu le. La mascarpone. Le rat crevé. Ouais. Une odeur un peu désagréable. Ouh, par contre les petits shots de tanks ont été pas mal. Est-ce qu'on peut vraiment amortir tout ce people? Et ça se remet en place avec les libérateurs. On essaye de kiter au maximum. Il y a tellement de bio. Il y a beaucoup de bio quand même. Hein. Ça se dégraisse très très fortement chez DNS, même s'il reste quand même beaucoup aux joueurs Protoss. Elle a pas vraiment réussi à faire. Même s'il y a encore le prisme. Ouais, il a rewarpé. Oh, les bons force field. Ok. Oh, les bons force field. Il est très beau, celui-là. Oh, les arcs qu'on tapait en zone et là qu'on fait la petite chaîne d'éclair. Il n'y a pas de medivac, il n'y a plus de heal. Il y a bio ici qui va se faire atomiser, tout va être dans la reprod. Oh, Daichi. C'est pas grave, hein, il peut encore soulever cette base, mais. Ah non, mais là ça vaut vraiment ça vaut à peine le coup, elle va s'enflammer. Il reste des stalkers pour la prendre. Oh, oh ça va être dur pour Daichi. Allez, double connexion de mime, c'est en plus, c'est ce qu'il fait. Ah mon dieu, ce qu'il lui a collé. Oh, il a bégayé là. Oh, la Daichi, il a bégayé. Hein. Ok, les deux mines qui connectent, mais la DNS il en a plus rien à faire. Oh, il lui a pété la gueule. Il rentre là-dedans. Coucou, c'est qui ? Allez, en plus, on bloque la rampe hein, avec un petit force field des familles. Oh, yeah, c'est dur. Ah, ouais. Oh, c'est dur pour Daichi. C'est création de nuggets chez McDonald's, là, c'était violent. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal, il y avait vraiment de l'idée en plus, là, avec ce sneaky CC. Ça n'aura même pas suffi. Oh, il le bourrine pas. Ah, il s'est fait un peu rouler dessus là. Il me rappelle Lilbo à l'époque, mec. Ça fait très mal ça. Il est tellement bourrin quoi. C'est marrant parce que d'habitude, lui, c'est vraiment le toss bien turtle, bien comme il faut. Je reste chez moi et il se passe pas grand chose. Là, il y est allé, mais un monster truck sur une petite fille. Ah, ouais, non, là, il a sans été... la moindre once de respect. Hein. Il a été super violent quoi. Ça va faire 3-0. Ouais, ici DNS il va mettre le troisième point. Allez, les mines. Bim! Voilà, même si ça va s'épuiser à grands coups de libérator. Bon, il se bat Daichi, hein, mais là. Ah, mais là, il n'y a plus qu'une base contre 4. Enfin, deux bases contre 4. Oh, il le danse. Hop là! Oh là 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 là, le manque de respect! Le respect est actuellement mort pour la France. Oh là là. Ouf! Ouais, je crois que c'est le moment de quitter Daichi. Ouais, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes Daichi, on sait qu'il te reste une base en bas. J'avais une base cachée quand même. Ah bon? Où ça? Ah dur. Oh, 10h. Ah. Mince alors. Non, 7. Ah tu sais plus trop compter, hein. 10h c'est pas trop là. Ouais, 10h c'est pas de ce côté là. 7h, du coup c'est ballot. C'est ballot ma pauvre... ma pauvre madame. Allez GG. Allez du coup GG. Eh bien ce sera le quatrième 3-0 infligé ce soir en UD. On a été efficace hein. Les favoris ont fait le boulot. Bah ouais mon bro. On fait le boulot, donc ça sera Clem, Drogo, Denver et DNS qui avancent. NDNS. NDNS, bah le carré, les quatre mousquetaires habituels, hein, on peut dire. C'est ça, le dans carré plongeant. Ouais. Le fameux carré d'as, puisque Stefano n'a pas réussi à se hisser dans les plus hautes strates des Undurdugs. Donc du coup, on a les quatre races représentées. C'est déjà un très bon point. C'est ça, un bon point, ouais. Ça fait zézer. C'est un peu comme en CP, quand tu fais bien ton travail. Ah, un ouais. Bon point. C'est pas mal. Donc du coup, le bracket, ça va donner quoi? Du coup, le bracket, ça va donner quoi? Parce que là, on s'excuse, mais on a fait les matchs un petit peu dans le désordre, dû à certains impératifs. Here we go. Tu peux montrer notre écran, mon bon Cosby. Donc ça va donner ça. Ça va donner Clem contre DNS et Denver contre Drogo. Donc aucun match miroir. En plus, Drogo ne rencontrera pas DNS. Donc ça va faire des petits matchs sympas. Hein. Ouais, ça va être Clem, DNS, Denver, Drogo. Ouais, ça va être intéressant. Ah. Pas de match miroir. Là, dans l'état actuel des choses, je verrais bien un petit PVP en finale.
Puisque Je pense que Clem il va prendre Taro. Je pense que Clem il va prendre Taro. Après Denver Drogo, ouais Drogo il chauffe. En plus là les terrains après Denver, c'est un peu compliqué. Il est sneaky, il est fourbe et c'est ceux-là qui battent Drogo en général. C'est vrai. Soit c'est la macro légendaire d'un Serral, soit c'est la méchanceté d'un Bly. J'avoue, même si Bly lui a mis une ouais. petite correction là dans les qualifiers pour Austin. Donc à voir. Hein. Après Clem ça peut se transcender aussi de temps en temps. Et DNS, ça peut s'écrouler. On a vu, hein, on a vu des défaites de DNS contre des adversaires un peu moyen ces derniers temps. Donc, on verra. Ce sera la semaine prochaine, bien évidemment. Mais nous, on va pas vous abandonner là. Ok. Bon les gars, je fais une petite game. Voilà. On va se faire pour le plaisir. Et à 22-25, on se casse, ok. Voilà. Parce que là, on a eu quand même notre petite dose d'émotions fortes. Oh là là. Petite game facile, hop. Allez, ça part en Terran. Et après, à 22-25, évidemment. Je me casse comme ça, j'ai mon dernier train sur la ligne L, tu vois. Habile. Ça me fait économiser un grand temps de trajet. C'est pas bête. C'est bien. Voilà. Eh bien, tant mieux pour toi, je t'en félicite. Toi, tu rentres comment, toi, d'ailleurs ? Moi, je rentre avec ma petite voiture. T'as quoi comme voiture ? J'ai une C2 noire. Une petite Citroën noire. Une petite Citroën C2 noire. De toute beauté. De toute beauté, c'est une 3 portes, mais avec 4 places. 3 portes, donc c'est que tu comptes le coffre, c'est ça ? Ouais, compte toujours le coffre. D'accord. Ouais, la game elle a commencé, tu m'as pas dit, t'es sérieux ? Ah, mais je savais pas qu'il fallait que je te prévienne. Mais mec, t'es sérieux, t'es un ouf. Non, un bâtard si tu veux. Mais c'est différent. J'ai appuyé sur Surrender au lieu de reprendre. Oh la singerie, putain, bon bah je relance. Désolé, non mais. Serious man? Non mais mec, j'ai pas fait exprès. Ah bah bravo! Beau message pour les viewers ça! Le gros débile. Bah ouais, il était meilleur que moi, Papa Ours là, pourquoi je le joue? Je suis sur un MMR nul et. Oh là là, ma pauvre chérie, hein! Waouh! Mais quoi, c'est comme ça que tu réfléchis toi, bravo! T'as vu ta gueule? T'as vu ta gueule de rien du tout! Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah parce que voilà, c'est quoi cette mentalité de loser là? Oui, t'es plus fort, tant mieux. Justement, il était plus fort, montre-lui. Écoute, je t'autorise pas à être désagréable comme ça. Bah aussi. Si, moi je m'autorise. De toute façon, tu vas rien faire. Donc. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Tu me saoules. Regarde ta game. Là. J'en peux up. Regarde ta game au lieu de cliquer sur des boutons qu'il faut pas. Pas assez de mine. J'avoue que j'ai pas été... Voilà, et y a pas de mine en plus. Commente le chat, toi. Ouais, je vais te faire chier en plus. Pas assez de minerais. Ah là là. Les 54 races. Non. Bah, les 5. Les 4 races. Les 4 races, calmez-vous, les mecs. Comment ça, les 4 races? Bah, je sais pas, y'a un mec qui met les 54 races Kappa. Ah oui, les 4 races. Là, j'ai dit 4 races, quel connard, les 3 races. Pas assez Bouffon. De minerais. Jean-Pierre Bouffon. Ouais. Pas assez de minerais. Se calme. La 4ème race, c'est les casters. Non, c'est les abonnés. Ah, c'est pas bête. Une race à part. C'est de la race passionnés. Des abonnés. Race à part de gens passionnés qui donnent de l'argent alors qu'ils ont accès au même service. Oui, 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 tout à fait, Thierry. Enfin, pas tout à fait le même service. En vrai, la 1080p et la 720p, ça change un peu la vie. Un poco. Un poquito. Il paraît. La lame invisible. Je m'efface de la réalité avec la lame. Pas voir. Pas assez de gaz. Pourquoi on n'a pas la musique? Ouais, mais c'est qui les mecs qui font ça aussi là? Je suis un vrai templier noir, mec. C'est qui les gens chez OG qui font ça là? Qui enlèvent la musique du meilleur pas jeu assez du monde. De minerai. Invisible. Du coup, tu sais quel BO je fais? Non, parce que j'ai pas regardé en fait. Ah bah je fais un coquet. Pas assez de mine. Non. Amélioration du centre de non. Pas assez de mine. Tu vas quand même pas faire un coquet. Ah bah si. Laisse-moi te dire que c'est beau. Aïe. C'est quoi cette musique horrible? Bah c'est Starcraft 1. Et pour avoir dit ça. Pas assez de minerai. Az, tu es banni à tout jamais de la web TV. Eh bien à plus. Allez, salut. Le mec ose dire que la musique de Starcraft Broudoir est horrible. Elle est malaisante un peu. What the fuck, t'es sérieux? Elle est malaisante. On est foutu. Tu vois, regarde, on est foutu, mec.
On est foutus, on est tous foutus. Putain, mais 23ème EU ladder là. On voudrait qu'ils soient un peu plus haut là. Vas-y, monte les muscles. Muscle ton jeu, Robert. Ce petit Reaper qui s'en sort à un demi PV ennemi. Solide. Bien wesh. Et ouais, hein, un petit peu greedy, juste ce qu'il faut. Ah, juste ce qu'il fallait pour. Pour faire le taf. Allez, tranquillou. La petite régénération due aux drogues hallucinogènes qu'il s'injecte quotidiennement. Lui permettre de retourner au combat. Allez, vas-y, let's go. Hop, hop, hop. Allez. En fait, il est en retard sur sa tumeur et moi, je voulais choper la tumeur là. Amélioration du centre de ce ne sera peut-être pas le cas. Eh ouais, la quatrième race, c'est la race random. Évidemment. Évidemment. Il y a moyen d'avoir une lame de DT pour un sub. C'est pas impossible. Ça pourrait peut-être se passer, se produire. Faudrait être sage. Très très sage. Je vais disparaître la réalité. Ah, c'était bois. Az, est-ce que tu peux faire un bisou esquimau à Coca? C'est mort. Quatrième race, c'est les bronzes. C'est vrai. C'est vrai que c'est une race à part. Ça fait du coup beaucoup de races hein, à ajouter entre les randoms, les subs, les casters, les bronzes. Bah finalement on arrive peut-être au 54. Hein. Peut-être ouais, il y a peut-être moyen d'en faire 54. Ah, il y a JK18 qui me demande de bien t'ennuyer. Je fais ça bien. Pour le chat. Ennuie bien Coca pour nous. Je pense qu'il parle du fait que je pourrais te taper un peu. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Insortable. Insortable. Ouais, c'est ça. Et là, en vrai, si j'étais vraiment un tryharder, vu que je sais où sont rangées les lames, je vais en chercher une deuxième. Tu pètes la gueule. Et je fais une charge. Je te charge IRL et. Ça serait vraiment le beau jeu. C'est vrai que ça serait. Allez hop là, les deux Medivac coupling. Voilà, ça a failli oublier René. Malheureusement, ça a gaspillé du carburant. Pour rien. Recherche terminée. Pas très écolo tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ratatatatatatatata. Oh, mais je clique partout comme un débile. Eh oui. C'est bon, tu n'auras perdu que très peu d'hommes. De l'aide, ce serait pas de refus. Ouais, j'avoue que de l'aide, ce serait pas mal. Je galère un petit peu. Ça va bien se passer. Allez, triple rack, tu vas faire quoi? Pas assez de gaz. Alright, let's go. Ah mais je clique partout. Voilà, parfait, parfait, très bien ça. Ouais, il y a beaucoup de zerglings quand même. Il y a un peu de zerglinge. Regarde, ça c'est la mine du Ford. La mine devrait faire son œuvre. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Ah non, il l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah, il bien quand même hein. Ah, il bien quand même. Regarde, regarde, regarde la petite mine. Ah. Non mais il est trop fort. C'est un non négatif. Allez. Oh oui. La connexion est pas mal. De l'aide, ça serait pas de refus. Tu l'as pas raté avec le marine qui est passé là. Je sais pas mec, je suis Allez, ciao. Non, il a pas raté. Bien joué, bien joué. Bien ouais. N'hésitez pas à parler sur le chat hein. Je peux vous lire. Je suis disponible. Ah, je sais bien, mais. Là, ça fait un petit moment que les gens ne disent plus rien. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Et les filles? En vrai, il crie pas balle et tout. Il est fort, le mec. Pourquoi je joue des mecs forts? Bah, parce que. Parce qu'il faut jouer des mecs forts pour progresser. Il joue tant Si tu joues tout le temps des gens nuls, tu progresses jamais. Tu te confortes dans ta médiocrité. Tu vois? En vrai. Ah, ça fait des Bane hein. On aime les Bane. Les Bane c'est bien.
Hop hop hop. Allez, regarde, regardez-moi ce petit train là. Petit train de Medivac qui vont un par un. Allez, voilà. Par contre, il va falloir le sauver. C'est bien fait. C'est bien fait de la part du joueur français. Très bien fait. Allez, les mimines. Ah ah ah. Oui. Bon, ça a pété toutes les mines. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. Zdré. Zdré. Ah là, les bonnes connexions. C'est bien, c'est bien. C'est bien, il est fort. Voilà, brrrrac. On va aller chercher maman. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai plus de chat? C'est pas ça. Marqué. Reconnexion au chat, bah oui. Quand même. Non, pourquoi déconnexion du chat? Pourquoi j'ai plus accès au chat? Amélioration du centre de commandement. Voilà, je vais tout casser. Pas assez d'énergie. Voilà, je vais tout casser. Ça va pas se passer comme ça. Pas assez d'énergie. Allez, connecte-toi au chat. S'il te plaît. Merci. Non, mais... Je suis à l'aveugle. Je navigue à l'aveugle. C'est moche. Je ne peux pas vous lire, messieurs. Je suis complètement déconnecté du chat sur mon Phéléton. C'est un peu moche. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Chat uniquement. Allez, vas-y. Allez, vas-y, champion, là! Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Pourquoi je suis déconnecté du chat, voilà? Non. On va tenter une opération. Non, je peux pas jouer. Pourquoi il n'y a pas de chat? Pas assez d'énergie. C'est triste. Pas assez de minerais. C'est triste. Et Coca qui reste impassible. Ouais, je vais perdre cette game. Hein. Impassible dans la loose. Hein. Dans la loose. Mais impassible quand même. Pas assez de minerais. Amélioration terminée. Ça va bien se passer. Moi je crois en toi. Pas assez de minerais. Bah t'es bien doux. Moi je crois en toi, Coca. Il faut que tu crois en toi. Champ de minerais épuisé. Putain, mais de chat. Pourquoi tu me lâches maintenant, toi? Le seul moment où on avait besoin. Ah, on fait un petit poche chaud là, on peut discuter un peu avec les gens et toi tu me lâches lâchement. What the fuck? What the fuck? Pas assez de minerais. Pas assez de minerais. Je te déteste application, ok? Pas assez de minerais. Pas assez de minerais. Bon bah là faut faire des choix de prod et tout, c'est un peu chiant. Annexe. J'ai beaucoup de CV, non? 70 mon sang. Pas assez de minerais. Fais des tanks. Mais mec, là, je suis sûr, il a un tir 3 là. Vas-y, fais-lui mal, mec. Fais-lui mal. Ah, le bata ultra. Mais mec, pourquoi je joue des mecs forts comme As? Genre, please quoi, moi je joue plus au jeu. Mais si, vas-y. J'ai mis mon 4-0 à TK. Lâche pas l'affaire, je te dis. Moi je joue. Lâche pas l'affaire, je te dis. T'as pas le droit. Merde, c'est pas ça la touche. Pas maintenant. La meilleure. Pas comme ça, Zinedine. Allez! Le chat est down, il semblerait. Ah merde! Tout le monde. Ah ouais. Cosby? Ça me chatouille le nez. Y'a plus de chat? Je t'entends pas quand tu parles, mec. Bah je sais pas, les gens ils me disent que le chat il est down. Je sais pas, j'ai vu sur Twitter Todd qui disait est-ce que vous avez des problèmes sur Twitch? Ah merde, et toi quand t'essayes de parler sur le chat, ça te fait quoi? Est-ce que là tu vois des messages déjà? Ce serait un peu chiant en vrai de vrai. Là j'ai 4 messages, je les vois, mais je vois pas de nouveaux messages. Ah merde.
quelqu'un m'en répond. S'il y a quelqu'un là-dedans. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Oh, c'était pas mal ce petit mine là. Pas dégueulasse. Pas assez de minerais. T'es pas crado. Elle était yarn. En vrai. Pas assez de minerais. Pas assez de minerais. Pas assez de gaz. Ouais, Orphan me dit que c'est la PLS. Merde. Eh bien, nous avons perdu le Twitch chat. Épuisé. Malheureusement, on est complètement désolé. C'est indépendant de notre volonté, bien évidemment, les conditions n'étant pas réunies. Pas de bol, pas de bol. Pas de bol, pas de bol. J'aurais bien aimé discuter un petit peu avec vous. Voilà, on va pas se mentir. Oh là là, il t'a provoqué, blême ! Ce qui passe, lui. Oh, ta mère. Erf. Ouais. La grenouille. El famoso. Je sais plus comment il s'appelle. C'est quoi le nom déjà de la grenouille ? Je sais plus. Pep. Amélioration terminée. Pep the frog. Eh oui. Bon, malheureusement, on a perdu le chat, mais restez avec nous. Quelle heure il est là, c'est pour ça. Il est 22h20. Champ de minerai. Ouais, va falloir que je me fasse un clic bientôt, quoi. Non. Champ de minerai. Non, pour toi, tu le défonces. Faut que tu penses autrement, Coca. Pense winner. Pense tous les scénarios comme si c'était le dernier. Ah, par contre, là, les ultra et jungle, ça va être chaud. Hein. Ouh, y'a beaucoup. Oh, y'a beaucoup. Y'a beaucoup quand même. Y'a beaucoup. Le vrai swarm qui se déverse sur Twé. Vas-y, t'es chaud. Y'a beaucoup de coru, mais tu en as à la foutre. Vas-y. C'est ta pute. Fais du mal, Coca. Les troupes sont attaquées. Oh, le tricheur. Oh, le bâtard. Vas-y, défonce-le. Il fait le cacou, il sait qu'il peut rien faire. Il sait qu'il est mort. Vas-y. Fais du mal. Champ de minerai épuisé. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Si le Twitch, si le chat remarche, tiens-nous au courant à Casby. Dépôt de ravitaillement. Twitch qui nous a cassé notre délire. Je peux pas construire. Je les moque. De l'aide, ça s'est pas refusé. Chat est mort pour la France. Ouh, les Broadlord. Oh, les Broadlord, ça a piqué. Ouais, je crois que c'est le moment où je quitte. Ah, c'est le moment où je vais choper mon train. C'est le moment. Allez, GG, hop. On n'en parle plus. A plus, les gens. On vous kiffe. Demain, c'est quoi? C'est la GSL demain? Demain, c'est l'Olimo. Demain, c'est l'Olimo. C'est l'Olimo, demain. Merde, j'ai descendu l'écran. Ok, bah demain c'est l'Olimo, les gens. 19h, soyez là sur la TV Kipout. Je vais choper mon train pas plus tard que maintenant. Des bisous. Salut. Ciao.